Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le camping-car pour une petite vidéo sur la sécurité, parce que je pense que c'est un truc primordial. Et quoi de mieux de faire quelque chose pour éviter qu'on rentre dans notre camping-car, pour avoir quelques petits désagréments, se retrouver au milieu de son salon de camping-car avec quelqu'un, c'est pas cool. Bon, moi ça m'est pas encore arrivé, mais bon, qu'est-ce qu'il y a comme système de sécurité? Bah tout simplement les systèmes qu'on peut vous vendre, les cadenas qu'on vous met sur les portes. Le mieux, c'est pour moi le système que vous allez vous fabriquer vous, sans marquer qu'il y a un système de sécurité. Je dirais les alarmes anti-intrusion, ouais c'est pas mal. Qui gueule, ouais c'est pas mal, mais bon ça marche pas spécialement bien, vu que la plupart du temps c'est des aimants que vous allez coller sur vos vitres et tout ça. On met un autre aimant ou une feuille d'aluminium et ça y est, le système il est brouillé. Non, le mieux c'est un système que vous allez vous faire vous même moi je sais que j'en ai deux pour éviter qu'on rentre dans le camping car après je vous dirai les systèmes qu'on peut vous vendre. Celui-là celui-là qu'on met sur les portes, c'est super bien pour les portes de soute. Mettez pas ça sur votre cellule. Ou alors ceux qui ont la rampe là pour monter, celle-là, c'est super. Mais le problème, c'est que pour la fermer, il faut que vous sortiez. Donc combien j'en vois qui sortent par le porteur, qui ferment leur cellule à clé avec ce système-là, qui remontent par le porteur et qui s'enferment dans le camping-car. Problème, c'est que le jour où vous avez un problème, vous ne pouvez plus sortir vous non plus, quoi. Alors que moi, j'ai deux petits systèmes qui sont pas mal. Bon, il y en a un peu... je peux pas sortir moi non plus. Ça prendrait trop de temps pour l'enlever. Même si, en moyenne, en deux secondes, il est tombé. Mais bon, c'est un peu plus contraignant. Et j'en ai un autre qui est d'autant pas mal, qui est sur ma porte de cellule et qui marche bien. Donc là maintenant je vais vous montrer ça, allez on voit ça tout de suite, à toutes. Donc là tu vois, on se retrouve côté porteur, j'ai une sangle qui passe d'un accoudoir à l'autre avec un cliquet tout simplement que je tends, clac c'est fermé. Et là mes portes elles sont condamnées, maintenant on va passer sur le deuxième. Alors le deuxième système il se trouve au niveau de la targette. Tu vois, j'ai ma targette là. Tu vois, j'ai un trou dedans. Et ben, je prends tout simplement ma petite vis que je me suis fabriquée. Une vis, une cosse, deux boulons. Un trou, tu passes dedans. Et tu peux plus sortir. Et le truc, c'est que, tu vois, la ficelle, elle est là. Elle monte. T'as plus besoin. Ben, quand tu veux sortir en urgence, t'es comme ça. Tu fais ça, t'es comme un con. Tu tires sur ta corde et tu peux sortir. Tout simplement. En plus ça, tu vois, j'ai fait un petit trou dans la caisse. Comme ça, hop, ma targette, elle y est tout le temps. Et voilà. Bon, voilà, amigo. Tu vois, système tout simple, tout tranquille, sans prise de tête. Deux petits systèmes, cool. Et qui sont efficaces, quoi. Maintenant, si tu veux pas te faire braquer, ben non, aussi, mais pas... ton sac à main, ton GPS en évidence, ça t'évitera bien des désagréments. Maintenant, ben voilà quoi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses de mes systèmes. Dis-moi ben, si toi t'en as d'autres. Et puis, ben, abonne-toi, mets la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis, je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye.